J'en ai souvent parlé sans en parler, j'ai effleuré le sujet. J'avais trop honte de raconter comment je me suis créé un monde isolé. Isolé de tout, des tables de famille, des rendez-vous joyeux que je voulais pas subir. J'avais peur de montrer aux autres que je ne sais pas me nourrir. Mieux vaut se laisser mourir. Si je mange, si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? J'en ai souvent parlé sans en parler. Je voulais pas mettre de mots, non. Vous dire que c'est une maladie, c'est vous raconter qui je suis vraiment. J'en ai gommé, dégommé, dévoré, trop bouffé de ce vide immense. Et dire que c'est alimentaire, moi je ne veux que remplir ma panse et toutes mes pensées. Si je mange, si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, si je mange, je vais en enfer. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai pris du recul, que je considère être un peu sortie de cette étrange bulle. Je crois avoir compris le pourquoi du comment. Même si c'est jamais fini, cette fois c'est différent, car je vous ai tout dit. Si je mange, si je mange, c'est pas l'enfer. Si je mange, si je mange, c'est peut-être le paradis, mais